Gabs à TV avec Gordon Deza, Alexandre Deza et Choufou Deza. Alors, nous sommes aujourd'hui venus vous faire une vidéo vraiment pas spéciale du tout. C'est une vidéo normale, tout ce qu'il y a de plus normal, avec les achats normaux, le vide-grenier normal, ce qui restait de soldes normal, des colis normaux. Voilà, y a rien, c'est une vidéo normale, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'elle se décale tout le temps. Ok, et donc pour cette vidéo normale, nous allons envoyer le générique normal. Allez, générique normal. T'as pris un chewing-gum? Oui. Bah oui, comme ça, à l'écran, c'est génial. T'as vu, j'ai un chewing-gum? Va me cracher le chewing-gum. Bouge là. Bah, les premiers colis, parce que, voilà, ils sont tout mous. On est des ados. On est plein d'énergie. On joue à deux à l'heure au basket. Alors, premier colis. Alors, des jaquettes PS3. Jaquettes et notices PS3. Que j'ai eu pour une vingtaine d'euros. Alors, il y en a plus d'une centaine. J'ai dit, waouh, putain. Alors, avec tous les jeux que j'ai en loose, mais je vais sûrement avoir de quoi faire pas mal de jeux à compléter, quoi. Alors, voilà. Donc, on a eu ce paquet plus ce paquet. Bon, et j'ai déjà regardé, j'ai pu compléter tous ces jeux que j'avais en loose. Donc Resident Evil 5, hein, pour le coup, avec sa notice. Prototype. Faut montrer la notice, voilà. Alors dans tous, il y a la notice, ok? Donc le premier qui dit, oh, est-ce qu'il y a vraiment la notice dans tous? Ah, je lui renvoie dans la gueule, ou ailleurs, hein. Call of Duty Black Ops, comme si on n'en avait pas assez. Gran Turismo 5. Saints Row the Third. Call of Duty, Modern Warfare 3. Ah, ouais. Call of Duty, Modern Warfare 3. Et Call of Duty, Black Ops. Déjà. Alors, en plus, c'est des jeux, bon. Malheureusement, ceux-là, à part Saints Row, je pense Saints Row et Prototype, je crois que je les avais tous. Donc, du coup, j'ai payé 20 balles pour compléter 2 jeux seulement, uniquement. J'ai complété 2 jeux. 20 balles, je crois que j'en avais 20 pour 25 balles avec les frais de port. Et du coup, il me reste une bonne centaine de notices. Alors, le gars vous garantissait malheureusement que les jeux étaient presque tous différents. Il disait quelques doubles. Quelques doubles. Quelques doubles. 5 gros doubles. 1, 2, 3, 4. Oh, des 5 doubles. Des fois j'ai des trucs 10 exemplaires. Quelques doubles. Et triple, ça compte pas triple. Grand Turismo, voilà. Grand Turismo, j'ai jamais en avoir autant des Grand Turismo. Attends, les Black Ops. Oh, Platinum. Black Ops. Là, mais t'es un malade. Qu'est-ce que tu fous avec toutes ces notices? Call of Duty encore, machin là. Black Ops 2, Black Ops, hey, Black Ops. Mais t'es un malade, qu'est-ce que tu fous avec tout ça? Putain, au moins sois franc, dis-le que c'est pas des doubles, que tu les as en 10 exemplaires, chaque truc. Qu'est-ce que je vais en foutre? Bon, en gros, je me suis un petit peu fait avoir quand même. On a un petit peu eu quand même. Bon, on l'a quand même eu un petit peu quand même. Il est bien content. Hein. Donc voilà, donc j'ai pu me faire 2 jeux pour 20 balles. Bon, après, j'échangerai. Si jamais à l'occasion, un jour, je mettrai une liste de tout ce que j'ai en jaquette. Allez, repose-le là-bas. Et on fera des échanges si ça vous intéresse. Ah! Oh non. Ah! Oh non. Ah! Oh non. Oh non. Toi, t'arrêtes de dire oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Alors, Leclerc Baléon, hein, je l'ai trouvé nulle part, hein, dans aucune boutique en Corse, seulement au Leclerc Baléon, pour un peu moins de 14 euros, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 13,90 €. Leclerc Baléon, Leclerc Baléon. Leclerc Baléon, voilà. Et donc, vous l'avez reconnu, c'est Link Awakening. Oh non. Oh non.
Link's Awakening. Et Simon. Non. Simon. Simon Pierre. Simon. Simon, Simon Tazeg. Vous connaissez Simon Tazeg, c'est Simon de Castlevania. Oh non. Voilà, donc je l'avais pas. Et celui-là, grâce aux 10%, je l'ai eu à Géant Porto Vecchio. Je l'ai eu pour 13,50€, 15€, moins les 10%. Donc pour 13,50€. Non, surtout qu'à la fin, vous savez qu'est-ce qu'on va faire. Je les garde pas loin. Du coup, on va le faire avec Katia aussi. Oui, on va le faire avec Katia. Katia qui est là, la technique. On a la technique là. Ouais, la technique. Sa technique en fait, c'est de rester assise à côté. Et faire une danse. Ah, une danse. Une danse comment? Oui, voilà. Je me danse encore facile. Cache Express Ajaccio, Cache Express Ajaccio, Cache Express Ajaccio. Alors. J'ai eu. Alors bon, en gros, j'ai eu beaucoup plus que tout ça, parce que j'avais pris aussi des DVD, enfin, je sais plus ce qu'il y avait d'autres, des vinyles, des livres. Mais voilà, qu'est-ce qui est intéressant, c'est ce que je vais vous montrer là. Les visiteurs sur PS1. Il y a un jeu visiteur? Ah bah faut croire que oui. Non, il n'y a pas de jeu visiteur, pourquoi? Je l'ai inventé, je l'ai dessiné moi-même. Bien fait. T'as vu, c'est bien fait, hein. Alors ça c'était après Blitz the League, un jeu de football américain qui avait l'air un petit peu sympa pour 20 centimes, non pour 1 euro pardon, bah, 20 centimes. Il a l'air vraiment sympa alors. W All Star, c'est les stars du catch. J'ai pris juste parce qu'il y avait Hulk Hogan dessus. Hulk Hogan. Mais c'est pas Hulk Hogan. Oui je connais. C'est qui? C'est Hulk. Dans cette carte fédérale. Oui, bien sûr. Myst 3 Exile sur PS2 pour 2,99€. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Oh non. NBA Live 2001, alors celui-là je l'avais pas, ça tombe bien. NBA Live 2001 avec Kevin Garnett dessus. Complet et en super état sur PS2. Ça c'est après. NBA Live, vous allez me dire je suis un taré. NBA Live 2001 sur PS1. Oh, c'est le même. C'est le même. Non. Mais oui, c'est le même. Non. Mais oui, c'est le même. Bah oui, il y a la différence, c'est que c'est pas le même portable. Donc on pourra tester un petit peu la différence. Évidemment, il est certainement mieux sur PS2. Mais bon, c'était pour compléter ma collection de jeux vidéo de basket. Kevin Garnett, je l'ai dit tout à l'heure, si tu écoutais. Ah, Kevin Garnett. C'est qui tu? Oh, manga. Deux mangas. Deux petits mangas. Je dis petits parce que c'est Dragon Ball SD. C'est Dragon Ball. DS à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a? DS à l'envers. Qui est con. En plus, il est tout en couleur. Oh. Ouais. Tout en couleur et en fait, ils sont dessinés en mini tous. Ils sont tous en mini. Ouais. C'est rigolo. En SD, comme il est super déformé. Mais c'est comme. Comment on dit super déformé, Katia? Super de ok. Et du coup, il m'a dit, le vendeur m'a dit, bon, vous avez acheté tout ça, allez, je vous offre un DVD, un truc, un machin, vous avez 5 minutes pour aller chercher. Et alors, il a fallu que j'aille chercher des trucs, alors j'ai pris des trucs vite fait. C'était beaucoup plus, c'était 5 DVD. 5 DVD, ouais, offert, un jeu PS2, il m'a offert un jeu PS1, donc FIFA Football 2002. Ouais, encore un manga, donc j'ai pris celui-là, bon, j'avais pas les autres numéros, hein, mais c'est Super Mario, le volume 9. Voilà, ouais, c'est un peu mal dessiné, excusez-moi, j'espère que le dessinateur ne regardera pas la vidéo de sitôt. Il va se suicider. Bah tu peux te suicider, mon pote, parce que tu dessines vraiment comme un pied. Et non, mais non, je dis pas que c'est... Non, tu te suicides pas, ça a l'air rigolo quand même. C'est vraiment Mario, l'univers de Mario. Hein. T'as fait, il est là rigolo, t'as fait. Et en jeu offert, j'ai eu Inspector Gadget, Mad Robot Invasion. Ok, et puis j'ai eu d'autres trucs, il m'a même offert des vinyles. Des groupes pleins de vinyles. Oh non, allez, fais ça. Allez, on va sur vous, bordel. Alors. Du champagne, Charlie le fils. Charlie et pas Charlie.
Alors. Je te crois pas. Je te frappe si je veux. Harcèlement, alors, harcèlement, appelez le numéro. Voilà, vous avez le numéro spécial harcèlement. Alors, sur ce colis, j'ai eu essentiellement des jeux DS et PS3. Pas que de la merde, sauf que des fois, il n'y a pas le jeu. Alors, celui-là, il n'y a pas le jeu. Pokémon Art Academy. Pas de jeu. Pas de jeu, de la merde. Mais oh, mais parle un peu, dis quelque chose, dis n'est pas ça, c'est déjà. Ah, ouais, bon, c'est de la merde. Reine des Neiges, la quête d'Olaf, pas de jeu. Colin de Tom. Oh putain de merde. Comme... Non, la quête d'Olaf, hein, c'est Olaf. Alors en plus, déjà que vous n'articulez pas, vous parlez vite. Vous comprenez rien. Oui, il y a un code. Il faut parler clairement, sinon ils vont rien comprendre. La Reine des Neiges, la quête d'Olaf, sans jeu, sans le jeu. C'est... Tomado, si vous avez compris quelque chose, appelez le même numéro que harcèlement tout à l'heure. Là. Attends, avant de tout sortir, essaye de sortir les choses dans l'ordre déjà. 3DS, Nintendogs plus Cats. Celui-là il est complet. Ah non, il est pas complet. Mario Kart sur DS. Pas complet. Tu sais pas ce que c'est. Si, c'est un GPS2. Tu ne sais pas. Allez, passe pour un débile. Un GPS2 format DS. Montre ce que c'est, comme ça tu passes pour un débile. Network Access Disk. Mais montre-moi. C'est un jeu. Non, c'est Internet. C'est l'Internet. Ah, l'Internet. C'est l'Internet. Tu mets le CD, il y a l'Internet. Oui, c'est la 4G. C'est la 4G. Mais quel imbécile. Alors, c'était un driver pour pouvoir connecter la PlayStation sur le réseau spécial PS2 pour pouvoir jouer en réseau. C'était les premiers jeux. C'était les premiers jeux en réseau. L'Internet. L'Internet. J'ai raison, quoi. Tout l'Internet en CD. Dessus, il y a tout l'Internet. Tout. Et il y a la notice pour aller sur Internet. Tu vois un truc, tu cliques. Tu cliques, tu cliques, tu cliques. Et tu cliques partout sur le CD. Internet. Il y a tout Google dessus. Google. Tout bah Google. Oui, c'est un CD. À l'époque, il n'y avait rien. Il y avait 3 sites sur Internet. À l'époque c'était ARPANET. Maintenant sur PSP, Gran Turismo. Sauf qu'il n'y a pas le jeu. Sauf que il n'y a pas le jeu. Voilà. Alors, une souris gaming. Une souris ça. C'est Big Ben. Alors, c'est Big Ben, on est d'accord. Tu crois que c'est vraiment une souris gaming mais ça. Mais non, mais t'es con, c'est un Wiimote. C'est une Wiimote spécial foot. Parce qu'il y a un ballon de foot. Pour jouer au foot d'une main. Oh, mais qu'une main utilisée, regardez. Oh, oh. Oh, avec l'autre main, je peux me gratter. Je peux me gratter autre chose, mais je vais me gratter la joue. Hein. Oh, un câble. Un câble, on s'en fout. Alors, putain, tiens ça. Oh allez. Putain. Dégage. Oh, je crois qu'il dégage. Ah, tiens, ça c'est pour toi, ça t'apprendra. Barbie Party, tiens. Art Academy. C'est complet. Celui-là, je crois que c'est le seul qui est complet, c'est vrai. Oh, il y a un paquet de bonbons. Art Academy, celui-là. Ben, mange-le. Ah, lui-là, il est complet aussi. Professeur Layton. Et le destin perdu. Ça peut être pas mal. Ah oui. Réponds. Complet. C'est une réponse. Il y a même d'autres notices. Question-réponse. Et la diva éternelle. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Là, il dit, parle professeur Layton. L'autre, réponds. Professeur Layton. Et en plus, vous avez deux notices. Vous allez réponds. Non, Pokémon version argent sous le silver. Ouais, sauf qu'il n'y a que la boîte. Ouais. Nintendogs. Encore. Et je crois que je mets le jeu en loose. Ouais, c'est bien. Total Spice 2. Undercover. Et complet, je crois. Passeport de CE1 et de CE2. Le son de cuisine. Ah, Yasmine. Non, il y a les histoires même pas. Oh, Pokémon non. Version diamant. Oh, mais il n'y a pas non plus. Du particulier. Je... Tamagotchi. Connexion. Grenette Shop 2. Bratz Diamant. Bien sûr, il y a quoi. Bratz Diamant. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Je vais mettre les traductions sous-titres. Bratz Diamant. Oh. Clochette et l'expédition féerique. FIFA 12. FIFA. On joue à FIFA. Les gars. Révéré. On joue à FIFA. Il est où le truc? Il est où la Wiimote spécial FIFA? FIFA.
Non, FIFA. FIFA. Alors, Jean. Un voleur. Harcèlement. Harcèlement, numéro. FIFA. Et but. But, j'ai mis le but. Il a marqué le but. Bon, ouais. Allez, vite, on marche. Coupe du monde, l'Afrique. Coupe du monde de l'Afrique, de FIFA Afrique. FIFA. FIFA. Il y a du FIFA dedans. Ta gueule. Ouais, Coupe du monde de la FIFA Afrique. Du Sud. C'est pas facile à dire. Coupe du monde de la FIFA Afrique. Du Sud. 2010. Uncharted 3. Ah. Illusion de Drake. Ça, c'est bien. Drake, le chanteur. Très bon jeu, Uncharted 3. Batman Lego, le jeu vidéo. Il est complet. Je pense. Oh, mieux que FIFA, mieux que FIFA. Non, il n'y a pas de notice. LFP. Oh, super. Manager 2004. Devenez manager de foot. J'ai mieux que ça. FIFA 7. PES, FIFA, FIFA 7. FIFA, FIFA. FIFA 7. PES 2019. 2009. Non, oh, PES. Spider-Man 3, Spider-Man 3, Spider-Man 3. Completo. FIFA, FIFA 7. Ça va tomber. FIFA 7. FIFA, FIFA, FIFA. Ça va tomber. FIFA. FIFA 12. FIFA, FIFA, FIFA. Et sur complet. Ça va tomber sur moi ça. Des chances. FIFA 8. FIFA. FIFA. Complet. Avec. Grand CLM Tennis 2. PS 2008. Oui, oui. Black Ops 2 sur PS3. Et Call of Duty MW3. On dirait un zombie. FIFA. FIFA. Harcèlement. Bon, merci à Nounours pour ce don. Tu fais rire Nounours. Allez, arrive-moi ça. FIFA. Je l'ai pas fait. Big Ben. Ok. Alors, chez jeuxvideo.fr, Ajaccio. Alors, je leur fais pas trop de pub parce qu'au final, ils vont fermer, malheureusement. Donc, on se calme. C'est une boutique qui ferme. C'est un moment un peu douloureux. C'est chiant. C'est comme ça. Oui, c'est très, très triste. Alors, ils mettaient tout à 50% pour liquider son stock. Donc, il arrête l'activité qui n'est plus, malheureusement, plus assez rentable pour lui. Je comprends tout à fait, donc c'est triste. Mais on est quand même allé faire de bonnes affaires et en profiter. Hein, que c'était pas cher. Imagine regarder la vidéo. Il va partir loin. Rayman Legends PS4, on l'a sur Switch, Charlie l'a acheté pour rien. Non, au moins on l'a collecté. Au moins tu as un bon jeu sur PS4. Alors, un verre Game Boy en verre. Surtout ne parle pas du prix, hein, il était à 30, moins 50%, donc il est passé à 15€. Un verre Game Boy, 11,90€, moins 50%, c'est 6€. Environ. Si tu veux pas être précis, ça fait 5,45€. Voilà, bah dis-le. Et après, il y a des cartes Zelda. Voilà, des boosters de cartes Zelda. Oh, faire comme les cartes Pokémon. On fera un unboxing spécial alors, à part. Ah, pas maintenant. Un seul. Ouais. Et après, on a eu un puzzle. Un puzzle lumineux alors. Un puzzle, c'est une lampe. C'est une lampe, stupide idiot. C'est une lampe que vous pouvez brancher en USB, donc il représente la jaquette, la fameuse, la célèbre jaquette de Super Mario World, le premier jeu sorti sur Super Nintendo qui était vendu avec la console, mais il existait ensuite une version boîte. On pouvait le trouver en boîte à part, mais je vais être obligé de frapper encore. Appelé harcèlement. Donc 29€ et donc il est passé à 15€, même pas, 14€ et des poussières à 45. Non, mais les trois là, parce que ça c'est les trois mêmes. Non, on le fera à part, là, la vidéo ils voient pas, là, ils voient pas, là, il n'y a pas de deuxième caméra, ils voient pas. Eh ben, parle pas. Et... Oh... Harry Potter. Ah, c'est pour Katia. Harry Potter. C'est des trucs. C'est des trucs, et oui, mais voilà, c'est précis. Merci pour toutes ces informations. Alors, c'est pour moi.
Alors c'est des trucs pour mettre sur les sacs. Alors, expliquer. C'est expliquer, voilà, c'est des motifs que avec vous pouvez. Repassage, voilà. Voilà, avec le fer à repasser, voilà, vous pouvez les coller sur vos sacs ou vos vestes. Et des jeans. Des jeans, plutôt. Allez, ça. Allez, vide grenier maintenant. Elle était compliquée. Eh oui, parce que tu le laisses sur le côté. Là. Harcèle-moi. Bien sûr, c'est harcèlement encore. Voilà. Non, allez, mets tout. Pourquoi prendre un parrain alors qu'on peut tout mettre comme un bourrin? Allez. Ça, c'était le jeu Momox qui est arrivé en retard. Momox. Ça te fait rire, Momox? Oui, ça a bien dit. Bon, c'est un peu très débile comme nom, n'empêche, j'avoue, Momox. Donc, c'est Kiss Pinball. C'est un jeu de flipper avec Kiss. Oh, et là, Katia, elle est contente parce qu'elle adore Kiss. Non, ils vont nous virer. Après, YouTube, ils vont nous enlever la vidéo aussi. Ouais, que tu chantes trop bien. Alors, ensuite, donc, vous étiez à 5 euros pour... C'est moi. Disney Pixar, Ratatouille sur PSP. Ok. Disney Pixar, Wall-E. Alors ça c'était sur PSP. Voilà, ça c'était sur le même stand, c'était à 2,50€ pièce. PS2 Ratatouille, Super Ratatouille, trop. 1€. PS2 Spider-Man. Un euro. PS2 Bakugan. Non, 2 de Spider-Man. PS2 Bakugan. Et la trouvaille du jour de la semaine, c'est qui l'a faite? Super, les Princess Disney. Presque. C'est Barbie. C'est la carte. Content de ça. Ah, je sais, une peluche Barbie. Ça va? C'est moi. C'est Super Smash Bros. Melee sur Super... C'est pas ouf. Sur GameCube, c'est pas ouf, stupide idiot. Alors, j'avais déjà trouvé le Super Smash Bros. Melee. Vous vous souvenez, à l'époque, je l'avais eu pareil pour 1€, mais c'était la version... Le choix des joueurs. Game of Choice. Et non, il est moins coté celui-là. Il est moins coté. Bon, même si je suis pas sûr qu'il était complet, tu vois. En plus, il me manquait la notice. Alors que là. Il est pas sur le côté. Alors que là, j'ai enfin la version complète. Voilà, hein, super état pour 1€. Donc voilà, donc celui-là pourra passer à l'échange éventuellement. Il sait pas quoi dire, alors il répète. Il répète. Oh, il était pas ouvert en dessous. Non, il est fermé. Comme ta gueule maintenant. C'est moi qui ouvre. Un colis. Chimo. eBay. Des États-Unis. Que j'ai eu pour moins de 20 balles. Regardez tout ce que j'ai eu pour moins de 20 balles. Un DVD Zelda, voilà, collector. Ouais, mais au lieu de le regarder toi, montre-leur. Voilà, en fait, c'est l'animé Zelda qui était sorti en France. Il y a eu une adaptation en France, mais ce n'est pas sorti en DVD en France. C'est sorti aux États-Unis. Voilà, c'était juste pour voir un petit peu les images. Et j'espère qu'un jour ça sortira en France. C'était pas extraordinaire non plus comme série. Hein. Surtout que bon, ça choque toujours d'entendre Link parler. Et bon, et là c'était le cas vu que c'était le personnage principal de la série. Évidemment. Michael Jordan. Michael Jordan. Donc je sais pas si vous reconnaissez le geste qui est exécuté ici par Jordan. Et c'était le concours de dunk. C'est concours de dunk de 87. Le lancer franc. Le dunk de la ligne des lancers francs. Exactement. Le fameux. Tu savais même pas que c'était en 87, non, c'était en 88 déjà, c'était à Chicago. Cette année, il y a eu lieu également le All-Star Game à Chicago. Et c'était il y a plus de 20 ans. On découvre Pixel Pulse sur Monsieur Bison. Voilà, une lampe pixelisée. Pixel Pulse, on avait déjà de Chun-Li et Megaman, je crois. Voilà, de Monsieur Bison. Monsieur Bison, pas Bison. Monsieur Bison. Monsieur Bison.
En fait, on ne sait pas, mettez en commentaire, mais on ne sait pas le M. Ce que c'est. C'est quoi? Michel. Mouloud. Mouloud Bison. Mohamed. Mohamed Bison. Oh, raciste. Alerte raciste. J'ai dit moi. Alors, maintenant on dit Mohamed, c'est raciste. Non, t'as dit Mohamed. Ben, je le prononce à, à l'arabe. C'est pas raciste. Ça, raciste, voilà. J'ai mangé une soupe chinoise. Non, mais tu dis non, tu dis. Allez, demandez une soupe chinoise avec des baguettes. C'est raciste. Raciste. Et voilà, voilà. On est accusé de racisme dès qu'on fait l'effort de prendre l'accent, voilà, la prononciation originale. Dernière trouvaille du vide-grenier. Pour 10 euros. Bon, bon. Voilà. Hop, il fait ma cigarette. C'est enlève-moi ça. Donc voilà, c'est ça. C'est Mario, Super Mario sur un véhicule. Un quad. Exactement. Sur un quad. Hein, qu'on a certainement vu dans Mario Kart, je sais plus lequel. Voilà, bref. Dans un Mario Kart, certainement. Ouais, lequel ouais. Allez, vous qui connaissez. Bah, c'est surtout les Mario Kart, à part les vieux, comme vous. Le vieux. Et dans le 8, certainement. Oui, le 8, le 32, le 82. Les 92. Ouais, non, mais en fait, c'est l'histoire des nouveaux. Bon, voilà. Donc voilà, vous avez un petit peu ici toutes les trouvailles que l'on a faites. Alors, on va évidemment finir par une danse de l'amiibo, mais avant, je voudrais vous rappeler que la semaine prochaine, je serai... Non, laisse tomber ça. Je serai... Marseille pour le Japan Expo Sud, hein, avec mes amis de Noob et avec d'autres amis. Vous, j'espère que vous viendrez, vous passerez me voir. Je serai très souvent du côté du stand des Noobs aussi. Ne dis pas que vous viendrez. Pardon ? Putain, là, tu vas danser l'amibo, hein, je le dis. Mais toi, tu veux danser ? T'es obligé de trouver. Merci à tous et à très très bientôt. Amiibo, amiibo, amo, amo, amiibo, 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 amo, amo, amiibo, 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 amo, amo, amiibo, amiibo, po, 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 amo, amiibo, amiibo, po, 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 amo, amiibo, amiibo, po, 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 amo, amiibo. Amiibo, amiibo, amiibo. Amiibo.